was forever, ever, or to never mind. Oh, I... Lui il est venu jusqu'ici, il a duré ici, et il a, avant de partir, il a béni l'eau, le puits. Mais avant c'était un puits là où tous les gens du village de Cameray venaient ici. Ouais. Parce qu'il y avait une source qui était là, mais la source n'était pas, l'eau ne venait pas beaucoup en ce moment là. C'était une source, mais l'eau il venait petit à petit. Donc les gens, il paraît qu'avant ils se bagarraient même pour avoir de l'eau ici. Et après lui, quand il est venu, il a fait des prières et il a béni le puits pour que chacun, si tu as des soucis ou bien quoi que ce soit, tu peux venir faire tes prières et te laver, tout ça. Et c'est ouvert pour les chrétiens? Non, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Musulmans, animistes. Musulmans, même les animistes, quand ils sont dans leur bois sacré, c'est dans le bois sacré des femmes ici, c'est ici qu'ils puisent l'eau. Les gens du village, beaucoup de gens du village, c'est ici qu'ils viennent chercher l'eau. Voilà. Donc c'est pas pour, pour les musulmans, c'est pour tout le monde. Okay. Oui. Moi je peux te donner, j'ai essayé avec une fille, une Toulousienne, qui avait des problèmes d'avoir un enfant. Ouais. Elle m'a parlé, elle m'a dit j'aimerais faire des trucs pour, voilà, pour me soigner parce qu'il paraît que ça ne va pas. J'ai dit bah nous on a un truc là, si tu as envie, on peut aller. Okay. Elle est venue, elle a fait, elle est retournée un an, elle a un enfant. Je ne sais pas si c'est ça ou pas. Okay. Mais voilà, peut-être. Voilà. Donc, c'est pas pour les musulmans seulement, tout le monde, n'importe qui. Les gens, ils viennent de partout pour venir prier ici. Comment ça s'appelle cet endroit? Nissan. Nissan? Oui, Nissan. Okay. Ça s'appelle Nissan. Et c'est le puits de El Hadj Omar Foutiou Tal. Okay. Bon les gars, voilà, on est dans le fameux puits sacré, voilà. Avec Baby Girl, sac à dos, voilà, on va se rapprocher, boire un peu d'eau. Donc pour vous montrer un peu l'état de l'eau, vous voyez, il y a pas mal de pots comme ça. Donc Valissa, tiens, tu prends un petit. Voilà. Moi, je prends l'autre. Hop. Et puis, on va là en prendre un peu et on va voir. Hey, si tu es encore là, certainement le contenu te plaît. Donc pour soutenir mon travail, tu as 4 choses à faire. La première, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, à partager et surtout à activer la cloche. Merci et on se retrouve juste après ça. Bon bah c'est parti, je vous montre, il y a bien de l'eau, voilà. Voilà, voilà donc le puits, commencez, c'est en pleine nature, il y a des palmiers, hop, on est... dans un truc avec de l'ombre et voilà, on va tester tout ça. Je vais te mettre dans l'eau après. Maman, c'est quoi? Hey, on en parle de cette bombe atomique de forêt. Non mais regardez-moi ça. C'est juste canon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Et c'est reposant en fait.